Bonjour. Ce matin, je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Ellen White. Il me rappellera tout ce que Jésus a dit. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Le Christ est ressuscité des morts, proclamant près du sépulcre béant « Je suis la résurrection et la vie ». Il a envoyé son Esprit dans notre monde pour nous rappeler toutes choses. Par un miracle de sa puissance, il a préservé sa parole écrite à travers les siècles. Ne ferons-nous pas de cette parole notre étude constante pour y apprendre quel est le but de Dieu à notre égard? Les serviteurs du Christ ne devaient pas étudier à l'avance les discours qu'ils auraient à prononcer devant les magistrats. Leur préparation consistait à accumuler, jour après jour, comme un trésor dans leur cœur, les précieuses vérités de la parole de Dieu et à affermir leur foi par la prière. Au moment critique, le Saint-Esprit rappellerait à leur souvenir les vérités nécessaires. Un effort incessamment renouvelé en vue de connaître Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé rendrait l'âme forte et intelligente. La connaissance acquise par une étude assidue des Écritures reviendrait à la mémoire au moment voulu. Mais celui qui aurait négligé de se familiariser avec les paroles du Christ et qui n'aurait jamais, dans l'épreuve, fait l'expérience de la puissance de sa grâce, ne pourrait espérer que le Saint-Esprit lui remît en mémoire les paroles de Dieu. Jésus a fait le nécessaire pour que nous soyons forts. Afin que nous puissions jouir de la paix et de la douce certitude du pardon, il nous a donné son Saint-Esprit, dont la mission est de nous rappeler toutes les promesses du Christ. Si nous consentions à fixer constamment nos yeux sur le Sauveur et à nous fier à sa puissance, nous nous sentirions en sûreté, car la justice du Christ sera notre justice. Je vous invite à prier avec moi en ce matin. Père, merci pour l'Esprit Saint que tu as envoyé au nom de Jésus pour nous enseigner toutes choses et pour nous rappeler tout ce que nous aurons appris de ta parole. Nous voudrions qu'aujourd'hui tu nous aides à nous familiariser avec les Écritures, afin que nous ne fassions qu'un avec Jésus. C'est là notre prière pour aujourd'hui. En ton nom, Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oubliez pas, le Saint-Esprit nous rappellera tout ce que nous aurons appris de la parole de Dieu au milieu de l'épreuve.